Les animaux de France par Nicolette Gentilis. Introduction. C'est les animaux que j'ai choisis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces animaux? Il y a beaucoup de beaux animaux en France, plus que les animaux dans ma liste. Mais j'ai choisi les animaux qui m'intéressent. J'ai choisi deux de chaque de 5 catégories. Les oiseaux, les reptiles, les insectes, les mammifères et les amphibiens. J'ai joint un peu de feuilles intéressantes sur chacune d'animal. Les oiseaux. Le coq gallois. Nom scientifique. Gallus gallus. La liste rouge de l'IUCN. Préoccupation mineure. Les faits intéressants. Le coq gallois est l'animal national de France et il figure sur beaucoup de choses françaises, comme l'or, les timbres et les symboles pour les équipes du sport. Dans le temple, les autres pays se moquent des gens français avec le coq gaulois parce que Gallus signifie Gaule et coq dans le latin. Le musée du Louvre, le château de Versailles et le palais de l'Élysée ont les décorations du coq gaulois. Le Tetrodrome échelette. Nom scientifique. Tetrodroma malaria. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Le Tetrodrome échelette est célèbre pour sa bande de plumes rouges vives et il s'appelle l'oiseau papillon. Ces jolis oiseaux évitent l'intrusion humaine parce qu'ils habitent dans une région montagneuse. De plus, cet oiseau a un remède qui porte son nom. Les reptiles. Le Philodactyle d'Europe. Nom scientifique. Euryptis europaea. La liste rouge de l'UICN. Quasi menace. Les feuilles intéressantes. Ces reptiles adorables sont nocturnes et préfèrent crevasses sombres. Comme le Tetrodrome échelette, ces reptiles habitent dans régions rocheuses aussi. Mais ils habitent normalement dans les îles et les côtes. Les philodactyles d'Europe ont les griffes rétractiles et sont très petits. La couleuvre d'Esculape. Nom scientifique. Zamenis longissimus. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Cette couleuvre s'appelle Porasculape, le dieu grec antique de Médétain. Et ses ancêtres se promènent dans le temple pour se dire en liberté. Les couleuvres d'Esculape sont souvent dans les arbres et les arbustes parce qu'elles peuvent grimper facilement. Contrairement aux philodactyles, elles sont diurnes et chassent pendant le journée. Les insectes. Le papillon bleu d'Osiris ou l'azur de la chevrette. Nom scientifique. Cupido Osiris. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Ces jolis papillons bleus sont très rares et il ne faut pas les confondre avec le petit bleu
au laser commune. Il préfère l'herbe et les plaines et il mange du nectar et du sainfoin. Les papillons sont dispersés autour d'Europe, mais ils habitent dans la Méditerranée principalement. La sauterelle tachetée commune. Nom scientifique. Leptophyte punctatissima. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Attention! La sauterelle n'est pas le cricket. The grasshopper. Les sauterelles ont les antennes qui sont plus longues que les antennes de cricket. Plus, les sauterelles sont les omnivores nocturnes, les crickets sont herbivores d'Ariane. Les enfants de cette espèce, ou les nymphes, à la gauche, ont un étalage de points noirs sur les exosquelettes. Cet étalage passe avec tombe. Les sauterelles développent une ligne marron au centre de dos. La ligne de mâle est plus large que la femelle, mais la taille de la femelle est plus grande que le mâle. Les sauterelles utilisent le camouflage. Les exosquelettes verts les cachent en leur habitat d'herbeau. Le camouflage et la stérilisation ultrasonique vont apercevoir difficilement dans la nature. Les mammifères. La martre des pins. Nom scientifique. Martre. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Cet animal adorable et solitaire est nocturne et l'animal a un musculide. Comme le couleuvre d'esculape, la martre préfère les arbres et chasse la plupart de leurs proies dans la forêt et dans les arbres, loin des gens, contrairement à sa cousine, la frune. Les martres de pin et les frunes, the beach martins, ont beaucoup de similarités, mais elles ne sont pas les mêmes. La martre de pin a deux espèces. Martre et Martre americana. Martre est le nom de Martre de pin d'Europe et habite en France. La Martre est un omnivore de brouillard assis. Elle mange les oiseaux, les œufs, les mammifères, les insectes, les fruits et beaucoup d'autres flores et faunes de leur forêt. La genette. Nom scientifique. Genera. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. La genette n'est pas un chat, un chien ou un renard. En fait, elles sont des vivrides, comme les civettes et les fossas. Les genettes sont des carnivores nocturnes et elles sont d'Afrique originellement. Elles étaient transportées à la France pour utiliser chasser les rats français avant le chat. Les amphibiens. La rainette méridionale. Nom scientifique. Hyla meridionalis. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. Cette rainette méridionale est en couleur verte simple. Mais
mais son espèce peut être bleue, brune, grise ou noire. Ses grenouilles adorables sont des insectivores nocturnes, mais elles mangent les araignées aussi. Elles sont surtout la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. La rainette méridionale est différente de la rainette commune d'Europe. La rainette méridionale a une ligne du nez au bras, mais la rainette commune a une ligne du nez au ventre ou au dos. La salamandre noire, nom scientifique Salamander atra. La liste rouge de l'UICN. Préoccupation mineure. Les feuilles intéressantes. La salamandre noire est un très petit amphibien et est souvent noire complètement. De plus, elle a un talon incroyable. Elle sécrète un poison quand un prédateur l'attaque. Cet amphibien habite dans les Alpes seulement et on ne peut pas découvrir cet animal à l'extérieur de cette région. Cette salamandre est endémique des Alpes et d'Europe. La salamandre noire donne naissance à enfants indépendants. En fait, les enfants naissent autonomes intérieurement, contrairement à beaucoup de salamandres. C'est parce que leur mère porte les enfants pendus à 4 ans. La bibliographie. Fine. Merci pour avoir regardé. Thanks for watching. If you have any questions or comments, please feel free to leave your thoughts in the comment section. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, écrivez vos idées dans le secteur de commentaires plus bas.